Les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché, est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Eh, non, maman. Je ne sais pas si tu es là. Les gens mangent même, les gens mangent. Donc elle est nourrie. Madoka de quoi? Madoka de Madokas. C'est comment, Nicole? Bien, ta peau est bien sur toi jusqu'à Madoka. Tu es belle, ta peau est belle. Merci. Abou, Moumou, Batata. C'est dit. Merci. C'est vraiment ta couleur. Hein. La couleur là, c'est dit. Mais Madoka, papa, c'est. Alors, papa, tu es un peu maigre au Cameroun, tu fais la logique. Mon mari me masse bien, non, Nicole. Ah, ok. Alors, attends, il revient, on m'appelle, attends. Ok, bye bye après, Nicole, oui. Yérika, tu portes plainte à Flore. Passons le message à Flo. Le jour du tribunal est. Dis-moi, elle veut venir. Le président du tribunal fait un ja là. On lance les lives. Et on le clash. Il nous enferme, nous tous. C'est simple comme bonjour. Oui. On ne va pas intimider la diaspora comme ça. On a aussi notre mot à dire dans ce Cameroun. Qu'on sait quoi? Qu'on va nous intimider pendant que les gens partent sur Facebook faire les salles là-bas. Il croit qu'on va se taire. Il commandit en bas. Pendant qu'on te tue, il commandit. Alors que tu as fait le sale. Ça le fait mal parce que vous avez fait. Tu as fait le sale pour lui que il ne savait pas que tu allais te retourner contre lui. C'est ça qui lui fait mal. C'est le karma. Ce que Flo t'a fait, maman, c'était bon à moi jusqu'à. C'est le karma. Vous l'avez utilisé pour qu'elle fasse le sale en votre nom. C'est le karma, c'est Dieu qui a ouvert ses yeux comme ça pour qu'elle finisse avec vous. C'est le karma. Tu n'as pas utilisé cette fille pour faire quoi sur Facebook? Pourquoi qu'on a oublié? On n'a pas oublié. Vous n'avez pas utilisé Flore pour faire quoi sur Facebook? Vous avez utilisé Flore pour faire le sale. Vous avez utilisé Flore pour faire le sale sur Facebook. C'est le karma. Vous connaissez ce qu'on appelle. Le karma existe. Quand tu te lèves, tu fais du mal à quelqu'un. Mets dans ta tête que tôt ou tard, tu auras le double de ce que tu l'as envoyé faire. Oui, tu l'as encouragé. Il y a même beaucoup de trucs là qu'aujourd'hui, on veut la tuer. C'était à cause de toi. C'était à cause de toi, oui ou non? Hein? Maintenant, tu veux te faire passer pour le saint. Tu n'es jamais saint. Tu n'es jamais saint. Et on va dire ça au président du tribunal en français facile. Vous êtes le couple le plus dangereux de la toile. Ta femme et toi, vous faites comme si vous êtes les agneaux, alors que vous commanditez en bas pour faire du mal aux gens.
Vous croyez que vous pouvez acheter la conscience des gens avec votre argent du sang? C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Il y a les gens que tu escroques 1000 francs, ils tombent, ils meurent. Vous pouvez vider les comptes des gens. Vous croyez que... Donc vous ne savez pas que ces gens-là ont eu l'AVC, ils sont morts. Vous voulez qu'on on vous refait l'histoire? Est-ce qu'on est votre professeur d'histoire? Moi, je suis votre professeur d'histoire. Pour pousser le bouchon loin, je deviens le professeur d'histoire et je donne l'histoire aux Camerounais. Oui! Vous poussez le bouchon loin, je donne l'histoire, je deviens professeur d'histoire de Facebook. Je donne l'histoire aux Camerounais et les Camerounais vont comprendre votre histoire. Vous allez vous cacher, vous allez raser les murs. Vous êtes couché sur l'argent du sang. Toi, ma soeur Baranté, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, tu te pavanes sur Facebook, tu fais quoi comme ça là? Tu peux parler de ta soie, tu t'occupes de tes petits-enfants que Dieu t'a donné. Ou un gars que nous Facebook. Manoumingo te pousser ma ta mouton, tu es là à te pavaner sur Facebook. Te pavaner. Un homme qui t'aime va laisser qu'on t'insulte sur Facebook matin, midi, soir. Tu connais combien de fois mon mari arrache. Vous me voyez faire encore les lives comme avant. Il arrache. Il arrache parce que son devoir, c'est aussi de me protéger. Il arrache. Il dit, madame, tu m'arrêtes ça. Mais dans ton cas, c'est ton mari qui te pousse te pavaner sur Facebook. Tu manques quoi faire? Tu manques des... Si tu manques quoi faire, viens ici. Il y a les places au marché central. Tu achètes ton cajou de tomates, tu peux t'occuper là-bas. Qu'est-ce qu'il y a que tu es sur Facebook matin, midi, soir, alors que tu connais le passé sombre de ton mari? Tu n'as pas... Tu ne connais pas ce qu'on appelle la honte? Ou on va te mourir le quand on se pompe et bon, tu mon Facebook. Tu crois que tu nous impressionnes parce que tu portes les perruques, tu portes les habillements. On t'a dit que la vie, les gens ont des problèmes de vêtements. Vous croyez qu'on a ce problème-là? On a des vrais problèmes, surtout ici au Cameroun. On a le problème du développement au Cameroun. On a le problème des infrastructures au Cameroun. On a une jeunesse dormante. On est en train de réfléchir qu'on va faire comment pour que cette jeunesse-là sorte de la tête de l'eau. Tu es là, t'es pavané sur Facebook avec les habits. Tu crois qu'on a les problèmes des habits? Are you serious? Seriously? Tu crois que le Cameroun de 2022, là, ça se résume aux vêtements et aux perruques et aux chaussures, sacs à main, frelatés? Tu crois? Tu te pavanes sur Facebook, tu crois que tu impressionnes, tu animes la galerie, ma belle. Les vrais Camerounaises comme nous, tu ne nous impressionnes pas. Parce que ma vie ne se résume pas aux vêtements, j'ai de vrais problèmes. J'ai un problème, comment faire pour aider cette jeunesse? Si la vie, je pouvais avoir un bâton magique comme ça là, mon premier souci c'était de voir comment aider cette jeunesse qui est en train de sombrer. Qui est en train de sombrer. Si tu as autant d'argent, comme tu dis que ton mari a autant d'argent, viens ici, tu construis un centre de formation. Tu mets l'argent de ton mari en jeu, tu construis un centre de formation. Si tu construis, tu mets peut-être un 100 millions, tu construis un vrai centre de formation. Tu pars au ministère de l'Emploi, tu dis que voilà un centre de formation que j'ai fait. Je veux prendre les Camerounais, les jeunes Camerounais pour les former. Mais je veux que vous subventionnez même à hauteur de 50%. Pour que j'amortisse mes dépenses. S'ils disent non, tu nous dis, on fait les lives, on dénonce. On dénonce, on dit non, on dénonce. Pour faire passer le projet, on dénonce. Voilà ce qu'on attend de vous les milliardaires. Et non de venir nous montrer les vêtements sur Facebook. Vous croyez qu'on a les problèmes de vêtements? J'ai lancé la campagne de la loterie, j'ai au moins 10 000 jeunes. Mon écrit matin, me dit soir, maman Dorcas, envoie-nous le lien. Le lien. J'ai envoyé le lien jusqu'à ce que je suis fatigué. Jusqu'à présent que la loterie même a fermé. Ils ne font que demander le lien. Voilà les problèmes que la jeunesse a. On attend que vous avez fini de voler. Prenez l'argent du vol là, venez impacter la vie des jeunes. Pourquoi qu'on a les problèmes de vêtements ou les problèmes de Ndjansan? Parce que tu as mis le Ndjansan, tu es brune. On s'en tape. On ne sait pas ces problèmes-là qu'on a au Cameroun. Il y a des problèmes dans les hôpitaux. Il y a un manque de couvreuses. Les enfants meurent par manque de couvreuses. On a ces problèmes-là. Ton mari est multimilliardaire. Viens faire les dons de couvreuses au Cameroun. Viens faire les dons, ma belle.
Arrêtez de mentir les Camerounais. Vous pavanez sur Facebook, vous vous prenez au sérieux. Hein. Vous croyez vraiment que nous, on vous prend. Hé, hey, Seigneur. Donc, quand vous nous voyez là, vous croyez vraiment que nous, on vous prend au sérieux. Quand vous nous voyez là, vous croyez que moi, pour me prendre au sérieux, j'ai fait jouer 10 000 Camerounais cette année. J'ai impacté positivement. Tu crois que parmi les 10 000 là, si seulement 50 personnes jouent, c'est 50 familles que par mon canal, ils vont changer la vie de leur famille. Vous avez compris? Parce qu'ils entrent aux États-Unis, changer la vie de leur famille. Surtout avec les papiers, il y a le travail. Tu travailles, tu as ton argent, tu aides ta petite famille au Cameroun. J'aurais aidé 50 familles. Tu es là à montrer sur Facebook comment tu as l'argent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien à foutre. On s'en tape. Matin, midi, soir. On s'en tape. Vous nous pompez l'air sur Facebook. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Vous ne nous impressionnez pas. Vous ne nous impressionnez pas. Et vous venez au Cameroun, les gens qui vous déroulent les tapis, si c'est les mêmes, c'est votre bande. Parce qu'un Camerounais digne de ce nom, un ministre digne de ce nom ne peut pas associer son image à votre image. C'est les gens qui sont comme vous, des petits voleurs comme vous là, c'est eux qui vous déroulent le tapis au Cameroun. Un vrai ministre camerounais, soucieux du développement et du bien-être de la jeunesse camerounaise, ne peut pas associer leur image à vous. Je vous mets au défi. Ne vois pas comme tu étais parti au palais tendre ta main comme ça pour vouloir toucher le président de la République. Là-bas, c'est le vrac. Que tu connais quelqu'un, on te donne que va aussi animer la galerie. C'est le vrac. Un vrai ministre camerounais, je vous lance au défi. Venez au Cameroun. Vous êtes petit bandit que vous avez volé en Bengla. Vous venez vous pavaner ici. Je vous lance au défi. Un vrai ministre camerounais, soucieux du développement et, la vie, et l'avenir de la jeunesse camerounaise, ne peut pas associer leur image à vous. Parce que vous ne pouvez pas dire comment vous avez fait pour avoir votre argent. Vous allez dire comment? Hein? Vous allez dire comment? Un ministre camerounais qui est riche, il va dire que oui, j'étais ministre. Même si on va dire qu'il a pris sa part, au moins j'ai travaillé, j'étais ministre. Toi, tu vas dire que tu as travaillé au Minal Miocare. Là où la diaspora positive parle, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas aujourd'hui. Vous ne parlez pas demain et on va vous dénoncer. Mais il y a les conférences de la diaspora positive tous les jours à travers l'Europe. Je vous ai déjà un jour vu là-bas. Ni toi, ni ta femme. Je vous ai un jour vu. On va vous appeler pour dire quoi? Je vous ai déjà un jour vu là-bas. Non, je vous ai jamais vu là-bas. Il y a plein de conférences. J'ai vu une conférence tous les jours de la diaspora positive pour venir impacter, pour venir voir sur le développement du Cameroun. C'était tout un grand forum. Avec les docteurs, les ingénieurs à travers le monde. Je vous ai vu là-bas. Hey, vraiment de Dieu. Hey, vraiment, Facebook, Adama. Adama. Pourquoi vous... C'est les vendeuses de Ndondo. Les vendeuses de Ndondo. Que vous impressionnez. Hein? Les gens qui se pavanent sur Facebook. Les gens qui en 24 heures, ils peuvent être sur Facebook 20 heures de temps. C'est eux que vous impressionnez sur Facebook. Un vrai Camerounais, digne de ce nom. La diaspora américaine positive ne peut pas s'attarder une minute avec quelqu'un comme toi. Je te dis non. Je dis la diaspora positive américaine, même canadienne, même européenne, parce qu'il y a aussi la diaspora positive en Europe, ne peuvent pas organiser un vrai forum. Et on t'invite, parce que tu ne peux rien dire, tu n'as rien à dire. Les endroits qu'on va t'inviter, c'est les soirées, là où tu vas aller monter tes habits de Camille brillant. Oui. Toi-même, clash-moi. Hein. Quand on est sur Facebook, là, ma papa, tu te pavanes sur Facebook, tu vas seulement prendre les balles perdues. Moi-même, clash-moi, rien à foutre. Le père, c'est comment? Où ben gué, ben? C'était comment la journée, alors? Hmm? T'as bien pointé. C'est ce qu'on te voit. Hein? Hey. Ça, c'est le successeur de mon père. Vous n'avez pas le voir. Parce que vous avez parti le clasher. Les sorciers, là. Vous, les sorciers, vous avez parti le clasher quelque part. Hmm?
Merci Cynthia Smith, merci ma belle. Merci. Envoyez les stars, je ne vois pas les stars, dis donc. Envoyez les stars, non. On est en train de rétablir la vérité. Moi, je vais vous clasher. Les gens qui me suivent, moi, je vais lancer un live spécial. Les followers qui me suivent, je vous clash. Et ça ne va aller nulle part. On va se clasher sur Facebook. Je n'ai pas peur des clashs. Vous-même, vous connaissez que je suis mamie na clash. Je n'ai pas peur des clashs. Vous, mes followers, moi, on va se clasher sur Facebook. Un jour, je vous promets. Je vous promets le clash. Parce que faites les lives, partagez, vous ne partagez pas. Likez, vous ne likez pas. Abonnez-vous, vous venez seulement sortir vos yeux. Maman, vous aimez le Japap. Envoyez même le star pour le Japap. Vous n'envoyez pas. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Nous, on attend, hein? Parce que vous voulez détruire l'enfant de quelqu'un. Moi, je vous dis que je ne suis pas une abeille de fleur de lit. Je ne suis pas une follower de fleur de lit. Mais je sais qu'elle est camerounaise, je suis camerounaise. Le mal est profond, la haine est profonde. Elle n'est pas sainte, mais vous non plus, vous n'êtes pas saint. Elle n'est pas sainte, vous non plus, vous n'êtes pas saint. On ne va pas s'asseoir. Elle a une maman qu'elle prend en charge. Vous voulez la tuer, sa maman va rester avec qui? On ne peut pas accepter. Je ne peux pas accepter. Moi, je suis avec ma maman. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, ma mère fait comment? Vous voulez tuer l'enfant de quelqu'un? Que la maman là va rester comme ça, l'embain? Arrêtez ça. Vous venez la mettre en prison ici, en Koningi. Hein? Sa maman fait comment là-bas? Vous avez pensé à ça? Vous voulez tuer l'enfant de Truy, pourquoi? Vous êtes sain? Vous faites comme si vous êtes sain. Vous n'êtes jamais sain. Elle a fait les erreurs, elle a demandé pardon, passe à autre chose. Elle n'est pas sainte, je suis d'accord avec ça. Parce que les gens, vous venez inbox. Hein? Voilà la personne que tu soutiens. Tu soutiens Fleur de Lille, pourquoi? Hein? Machin, machin, oh machin, elle va te clasher demain. Elle me clashe demain, je n'ai rien à foutre. Quand tu viens sur Facebook, hein? Moi, mais je l'ai clashé hier. Vous croyez que c'est... Je n'ai rien à foutre. Le clash de Facebook, hein? Ça ne peut pas m'ébranler parce que entre le virtuel et la réalité, il y a un fossé. Ici, là, c'est la réalité. Vous allez dire quoi sur moi, sur Facebook, qui va ébranler la réalité de ma vie? Vous croyez que je serai même là pour écouter vos lives? Moi, je ne suis pas les lives. Hein. Il y a beaucoup de lives que je lance. Quand je lance, je prends les gens. Les gens viennent parler avant que je décrypte par rapport à ça. Je n'ai même qu'à être aux États-Unis. Vous croyez que j'ai sur 24 heures, j'ai le temps de m'asseoir, suivre tous les lives de Facebook? Je n'ai pas ce temps-là. Mais je peux brosser en passant et je condense, je fais un live par rapport à ça. C'est pourquoi il y a les lives que quand je fais, les gens vont entrer et dire que non, Doka, tu n'as pas tout compris. Ils me donnent la version originale. Il y a eu les lives comme ça. Donc les gens qui disent, oh, maman, on va la clasher. Maman, jusqu'à demain, clasher, jusqu'à après-demain. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Vous croyez vraiment que ça m'ébranle? Moi, j'ai les problèmes. J'ai un vrai dossier. Là où je suis là, je veux rencontrer le ministre Femme Dongo. Là où je suis. Je veux demander l'audience. Je veux rencontrer le ministre Femme Dongo. Le ministre Femme Dongo du Cameroun. Je veux rencontrer le ministre de la Santé. Parce que j'ai les gens qui m'ont contacté. Aux États-Unis, il y a un programme chez nous aux États-Unis. Ils vont des pays africains, les universités américaines ont un programme qu'ils viennent dans les pays africains fusionner avec les universités africaines et présenter leur programme. Permettre que les deux pays, les universités africaines travaillent en collaboration avec les universités américaines. Ils vont de pays en pays, ils ne sont jamais arrivés au Cameroun. Et ils aimeraient venir au Cameroun. Je veux rencontrer le ministre Femme Dongo pour faire une vidéoconférence avec ces gens-là. Et il va juger si c'est quelque chose qu'il peut donner un campus. Quand les gens-là viennent, les étudiants partent là-bas. Et ils vont expliquer aux étudiants quelles sont les possibilités de voyage en tant qu'étudiants camerounais qu'ils peuvent avoir pour venir continuer à faire les recherches aux États-Unis. Et s'ils viennent pour la première fois, ça se passe bien. Les secondes années, ils peuvent venir avec d'autres étudiants américains pour venir travailler en collaboration avec les étudiants camerounais. C'est un projet que je suis sur ça.
Hein? Vous croyez que je suis là sur Facebook pour dire que je vais montrer les vêtements, les habits? La jeunesse n'a rien à foutre avec les vêtements et les habits. Ils veulent les gens qui vont impacter leur vie, qui vont les aider. Nous sommes de la diaspora, si on peut. Voilà un truc que je veux venir présenter. Et je veux que les étudiants camerounais, je veux qu'on me donne un espace. Je suis en train de travailler. Si ça aboutit, c'est bien. Ça n'aboutit pas, je vais laisser tomber. Je sais que j'aurais essayé. Oui, je lance un SOS pour tous ceux qui peuvent avoir, qui peuvent m'aider, comment je peux rencontrer le ministre Femme Dongo, parce que je veux faire une vidéoconférence. Ok, tu peux te raser, papa. Qui t'a piqué, hein? Tu dis, mon fils est devenu, il est devenu un homme. Hein? Jusqu'à, elle ne veut pas se raser. Hé, hé, Ndjamba. Eve, tu as dit que tu devais commencer à garder tes dos, non? Ok, ne chope pas les dos, hein? Ne chope pas tes dos. Tu y as, non? Ou tu parles de Nonga? Ok, oh. Oui, voilà un projet que quand je serai bien stable, moi je veux les gens qui peuvent me mettre en contact avec le ministre Femme Dongo. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils veulent faire aussi, ils veulent venir, c'est, le sujet serait beaucoup dans le public health, la santé publique. Donc c'est pourquoi j'ai dit que je ne sais pas si je dois rencontrer que le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que c'est le ministre Femme Dongo qui s'occupe des universités. Moi je veux le rencontrer et je vais lui parler de ce projet-là. Et j'aimerais faire une vidéoconférence que les gens qui m'ont contacté parlent avec lui. On essaie de lui dire de quoi il est question. Peut-être il est bien placé pour connaître. Peut-être il a entendu un truc comme ça là. C'est les universités de mon état qui fusionnent souvent. Ils vont de pays en pays. En mai, ils seront au Kenya avec les étudiants américains parce qu'ils ont l'habitude d'aller au Kenya. Ils vont aller en mai avec les étudiants américains qui vont aller fusionner avec les étudiants kenyans pour voir comment ils peuvent travailler. Et après ça aussi, les étudiants camerounais peuvent demander aussi les demandes. Ils peuvent faire les demandes aussi pour voir comment ils profitent. Ils disent que nous, comme vous êtes venus chez nous, nous aussi, on veut venir là-bas. Pour travailler aussi, ils font aussi les demandes comme ça là, en fonction de ce programme-là. Et il y a beaucoup d'argent aussi qui est impliqué. Ils font dans les dons, les aides. Les universités américaines subventionnent les universités des pays un peu pas vraiment développés comme les universités. Ils aident. Ils viennent comme ça là, peut-être ils peuvent faire les dons de matériel, on ne sait pas. Donc moi, j'aimerais vraiment rencontrer le ministre Femme Dongo. Que tous ceux qui peuvent avoir le contact avec le ministre Femme Dongo, aidez-moi, entrez en contact avec lui. Parce que je veux que je lance une vidéoconférence et il parle avec ces gens-là. Ces gens-là les expliquent de quoi les questions. Parce que je ne veux pas amener quelque chose que demain on va dire que, oh non, on ne connaissait pas. Non, il va d'abord étudier le dossier. Si c'est quelque chose qui est bon, qui voit que le Cameroun peut bénéficier, il donne le OK et il vient. Je ne suis pas en train de dire que s'ils viennent comme ça, que l'État du Cameroun les loge. Moi-même, je prends sur moi. Moi-même, je prends sur moi. Je ne suis pas en train de dire que quand ils viennent comme ça, l'État du Cameroun peut-être les nourrit. Non, moi-même, je prends sur moi. Ce que je peux demander, peut-être qu'on leur donne une voiture pour leur. Si ils sont peut-être deux, qu'on leur donne peut-être une voiture pour leur déplacement. Parce qu'au Cameroun, moi, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. On a des sérieux problèmes au Cameroun. On n'a pas de problème de Congo, ça, de Facebook. Vous venez porter plainte aux gens au tribunal pour mettre vos soeurs en prison à cause des Congo, ça, de Facebook. Quand tu viens sur Facebook, il faut avoir un moral d'acier. Le président Paul Biya n'est même pas sur Facebook. On l'insulte tous les jours. Il a porté plainte à qui? Il sait que quand tu es président, tu dois prendre sur toi. Les gens vont parler de toi. Il est une star. Il est président camerounais. Les gens ne vont que parler de lui. Voilà, Etoké est devenu président de la FIFA. On lui fait quoi? Les gens se brossent les dents avec son nom matin, midi, soir. Je parle d'Eto. Le président Paul Biya est calme maintenant. Il se repose. Eto est en train de bouffer son djangé actuellement. Toutes les chaînes de télévision, matin, midi, soir, Eto. Eto. Est-ce que vous entendez encore parler du président Paul Biya? Il se repose.
aller à Thuès, le père là doit dormir jusqu'à on va seulement le réveiller avant qu'il se lève. Parce que les Camerounais l'ont oublié un peu. Et toi, en train de bouffer son djangui à l'heure-ci, qu'elle vous parle. C'est Eto'o la vedette maintenant. Il est en train de bouffer 10 noms de djangui sur le territoire camerounais. Il bouffe 10 noms de djangui actuellement. Le père se repose. Hein? Vous croyez qu'on a les problèmes de vos conneries de Facebook? Vous croyez que vraiment on vous connaît même aussi au Cameroun? Marchez là, ici, là. Partout au marché central, demandez que vous connaissez Président Amour. Sur 100 personnes que vous allez demander, 100 vont vous dire que c'est qui? C'est qui Président Amour? Vous croyez que ce que vous faites là, on vous connaît ici sur le territoire camerounais? Descendez même ici au Cameroun, partez au marché central, demandez à 100 Camerounais que tu, les déballeurs là, ou les frippeurs, ou les quoi là, que est-ce que tu connais Fleur Delis? Peut-être dans 100, deux vont te dire que oui, je connais Fleur Delis. C'est la vérité hein, que je dis. Les histoires de Facebook là, c'est le virtuel. On va vous dire ça en quelle langue? Vos histoires de Stamania là, c'est virtuel. Ici au Cameroun, là, on ne vous connaît pas. C'est virtuel. Les balicules de Reims, là, elles peuvent passer. Si 100 fois, il n'y a même pas un Camerounais qui va dire que je te connais. Mais quelqu'un de la diaspora va dire que je te connais. Donc, vos histoires de stars, de quoi, là, c'est virtuel. C'est sur Facebook. C'est dans la diaspora camerounaise. Ici, sur le territoire camerounais, les gens ont les problèmes. Les gens n'ont pas le temps pour vos conneries de Facebook, là, surtout qu'ils n'ont pas de méga. Pour vous suivre sur Facebook, il y a combien de personnes qui vous suivent sur Facebook? Vous parlez même de quoi? Donc, arrêtez d'animer la galerie. Vous animez la galerie. Vous n'impressionnez pas les vrais Camerounais. C'est les vendeuses de Ndondo que vous impressionnez. Et les petits femmes comme vous, là. Parce qu'ils se disent que non, derrière vous, vous pouvez les montrer les techniques de Femania. Oui, c'est les petits Feman comme vous là. Qui vous connaît? C'est les petits Feman qui vous connaît. Les vicieux au Cameroun, les vrais gens ne vous connaissent pas. Vous avez compris avec quoi? J'espère que vous avez compris avec les oreilles. Donc nous on attend. Vous avez dit que vous avez porté plainte, non? Nous on attend. Vous avez porté plainte en bain. Vous avez compris? Vous allez porter plainte ou en bain. Ici au Cameroun, niet jusqu'à demain. Ici au Cameroun, j'ai dit quoi? Niet jusqu'à demain. Vous n'allez pas vous pavaner en bain. Après, vous venez faire trafic d'influence au Cameroun. Pourquoi vous ne portez plainte, pas plainte en bain? Vous avez les papiers, non? Vous êtes tous en France là-bas, portez plainte là-bas. Arrêtez de venir au Cameroun, vous pavaner. Depuis que vous portez plainte, là, vous allez faire quoi? On a vu. Depuis que vous portez plainte, vous avez fait quoi? On a vu, vous n'avez rien, dis donc. Vous avez porté plainte à Mekamé, c'est là. Il n'a même pas fait 48 heures, il est sorti. Les vrais gens aussi au Cameroun, hein. Les vrais gens ici au Cameroun, quand il dit qu'il a tendu la main sur toi, que tu descends, à moins de 24 heures, tu es en Koningi, sans procès. Vous avez compris avec quoi? Les vrais gens ici au Cameroun. Quand il dit que trafic d'influence, 24 heures sans Konengi, qu'on se bat pour te faire sortir, ce n'est pas dans les cellules. Ça va vite ici. 24 heures avant qu'on appelle le président Paul Biya, que voilà un enfant qu'on a mis en Konengi. C'est en Konengi que tu sors. Ce n'est pas en cellule, c'est en Konengi direct qu'on se bat pour que tu sortes. Vous venez là, les petits mangent mille arrêtes les gens au quartier, on peut les enfermer le lendemain, on sort, vous croyez, vous faites les intéressants, vous pavanez sur Facebook, vous croyez que vous êtes les gens, vous n'êtes rien. Arrêtez d'intimider les gens, je vous clash parce que vous voulez intimider les gens, vous n'êtes rien. Vous êtes les qui? Tu es qui? Tu peux impacter le Cameroun comment? Le Cameroun peut avoir besoin de toi à quel niveau? Sur quel plan? Le Cameroun peut avoir besoin de toi. Dis-nous, sur quel plan? Que si on dit qu'on a besoin de toi, on peut avoir besoin de toi, on peut t'impacter. Hein? Tu peux impacter le Cameroun comment? Tu peux donner quel conseil au Cameroun? Tu vas impacter comment? Tu ne peux pas impacter. Moi, je peux impacter. Je suis venu avec un projet.
voir comment une université d'Amérique peut fusionner avec les universités camerounaises afin de faire bénéficier les étudiants camerounais. Voilà un projet que je suis venu avec. Toi, tu viens au Cameroun avec quoi? En dehors de partir dans les stades, te pavaner, que tu peux tirer le ballon pour te faire voir. Prési, les petits enfants qui ont faim. Après, tu les donnes 10 000. Tu donnes 10 000 aux enfants, tu les as impactés. Si tu donnes 10 000 aux enfants, tu les as impactés. Tu peux te pavaner. Tu crois que tu impressionnes qu'au Cameroun en donnant 10 000. Les vrais ministres, ils savent les directeurs, ils donnent les voitures de 20 millions au bordel. Ça ne va nulle part. Tu viens là avec tes petits miettes que tu donnes 10 000 et ta femme est derrière, te suit comme le mouton. Elle joue aussi les intéressantes. Elle est derrière toi comme le mouton. Elle joue les intéressantes. Elle est derrière toi comme une china, comme un colis. Elle monte, elle descend. Elle joue les intéressantes. Vous voulez qu'on vous clash vrai? Vous voulez que j'entre un peu dans vos côtes? Ce n'est pas un clash, hein? Parce que si tu crois que vous croyez que c'est un clash, ce n'est pas un clash. Arrêtez de pomper l'air aux gens. Arrêtez de vous pomper l'air aux gens. Et ma soeur, apprends à conseiller ton mari. Tu as compris? Votre part de cette manière-là, c'est trop. Vous voulez quoi? Arrêtez. Tu as accouché, tu n'as même pas laissé que le sang saigne dans tes fesses. Tu te pavanais déjà sur Facebook pour chercher la Stamania. Tu as abandonné un bébé pour aller au Canada pour la Stamania. Ya, mon menli. Boni gou la en graphique. Hein? Boni gou, boni tamouyigi. Boni tamouyigi. Agrafou, nous mougi. Mougou no, mougou tchouk njou menga. À un moment donné, trop c'est trop. Hein? Ah, nan, que maman. Hein? Mbunyam manjumba mouton là. Que fini conseil un jour? Hein? Ou le mounjou bon bon chon ya, moi un jeune tu ton chou singe. Parce que njou bon chou? Ou le mounjou bon bon chon ya, moi jeune tu ton chou singe, que tu menti jougi. Un dochit mouni? Njou fa ayakang mouni là, ou fini tu baka mouni. C'est un tout bon macho. Moba moumangou mouan, c'est un tout bon. Je ne fais pas de mon zone et de punchin. Amoune le. Aujourd'hui, je me trouve. Amoune le zone et de bouchon vers là. Amoune le. Bunchik fou. Y'a mon zone jour n'a pas de là. Parce que vous avez un gym et menti à tam siklo. Pour ne pas dire ni vider compte menti. Vous me si vous avez un gym et un chou, vous avez un pompe et bunchin. Car un jar bunchin, vous avez un chambou, vous avez un chapeau, vous avez un chapeau. Ou chia présent pour bien vous bonjapke. Ou chia ministre en kecha. Ze bonjap bonjap n'yon ne fari. Ou ba ou, kabou bo kecha boa. Hein? A ou men ki nou chutu nou se nte nou Facebook ma. Ou bo kecha boa. Nge talye nou mba che enemi. Ou na an kwa ma gake mba fwa le ou. Ou nen chou nyan boro sangi. Boro sangi ban chounou. A ban chounou ou. Hein? Boro sangi ban chounou ou. On est en train de faire des rênes, c'est un chou. Beaucoup de chabons et candarnoui. Maman est en train de nous mettre dans le chevoulin. Maman est en train de nous mettre dans le chevoulin. Après tout, à Bangouma, à Sogon Zindi, à Mondo Bison, Sogon Repasso, Maoulo Jounzi. Ou Louis, c'est un grand chou. Parce qu'on est en train d'aider-moi à détester. Anita, nous mouquons, nous n'importe quoi. Aucun porte-moi plainte. Supporte, n'a supporte. Tu vas choquer Facebook. Où tu me vois que tu es pavané, non, Facebook, non? Où tu me vois en King Kong, non, Facebook, ou à choquer? Facebook, eh? On va choquer Facebook, nous tous. Clashez-moi jusqu'à demain, rien à foutre. Enfin, on va choquer nous tous, Facebook. Hein? On a un bunga, on a un kin pour caleçon, nen Olympien, nen là, de là. On a un gars qui a resté à mania. Maintenant, organiser les Olympiens. Anna Chana, you belle-mère. Zanambe que bon veuve là. Na you belle-mère, nambe que bon veuve. N'ayant ça. Anna Chan, me chilling you. Mouna lumba, you belle-mère, zou, caleçon, chunima, n'ayant. Anna Chan, vining you. You. Anna Chan, you. Mouna lou, you belle-mère, zou, caleçon, chunima, n'en Facebook. Kauna chupka maman go, hello. Mouna chupka maman là.
Ma bébé, on a eu un peu là. Anna Bonou, Anna B. Olympia. Ou on dira que n'y a Asta Maniac, maman. Asta Maniac, mon Facebook. Pour les chabons, je suis un peu à son porte-plein. Mou plainte que bébé. N'a supporta, n'a supporta. Plainte que bébé. Ou je non. Zéro plainte. Tcha plainte que bébé. Ou choqué Facebook. Ou tu me vois ton Facebook, non? Nous avons un bon petit. Tu vas sauf que choquer Facebook. Ou à choquer Facebook. Moment, aujourd'hui, non. Ou à choquer Facebook. Machin. À porter plainte. Zéro plainte qui tienne. Ou tu vois bon Facebook. Je te pavane. Ou à toi, non, Facebook, mon maman. Barbina, tu as Facebook. Mais Jack fait pour la bébé. Ou comme ou quoi, ou bibinchin. Ou je n'en m'en ai pas sous bonjour. Bibinze non fait bon goba sing. Goma se bigabe chupia. Nen yam yam bibinchin. Bouso un chabinchin. Be you bouchabam. Ou a be you bouchabam. M'en ma woman ben yamba. M'en son son un fait bon zoom bambitalinjela. Yon son soul et mon son bitalia la non. Souan bambitali. Ah, mouyuta clash. Je analyse. Je analyse. Mama analyse. Je analyse. On attend pour voir. Vous allez porter plainte en main. Vous allez porter plainte en main. Ho ha. Vous allez porter plainte en main. Ho ha. On vous a assez vu avec vos habits de cambé brillants. On vous a assez vu. Vos habits de cambé brillants. Vous portez les habits qui brillent trop, dis donc. Tellement vous aimez vous faire voir que même les habits, vous voulez tout qu'on vous voie. Les habits toujours qui bling bling, comme les trucs des Camille brillants. Arrêtez ça, dis donc. Hmm? Celle de Patricia Mel. Anna Banchounouri. Anna Banchounouri. Mogu problème boubou. You excess là. Où est Patricia? Banchounouri non. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? On ne vous voit pas. On a assez vu vos habits de cambré brillants. C'est bon. On a assez vu ça. C'est bon. Et tu fais ça, tu n'épargnes même pas tes enfants. Hein. Tu fais toutes tes bêtises là. Même le nouveau-né. Balancer nos Facebook n'importe comment. Toi, à travers. Ton mari peut être bête. Mais quand même, deux personnes ne peuvent pas être bêtes ensemble. Un peut être bête, l'autre est là pour ramener l'autre à la raison. Moi, je suis parfois bête, mais mon mari est là pour me ramener à la raison. Mais deux bêtes à la fois, je n'ai jamais vu. Deux bêtes à la fois. Comment tu peux souiller les bantés comme ça, là? Njoubancho, ou n'en ko bouke de sengwanjik. Ou le mounjoubancho, moubou mounzwincho, m'fait n'kap, moua n'a mounchou, moua mounchou n'de voulou. Parce que à mon incho, aïe, mon bunchi bunchi que avec son fou, bouton yuba, on engue joue mon la scène. Ouani juma, manchouni. Parce que avant d'autres moni, arrive à mon bifo, alors fire, incho fire, aïe, mon bunchi. Incho bo engueze moni, avant joue bunchi quand qui moni. On quoi me, amus un caressage joue ni bouffa moni, non, avant joue da bunchi. Pourquoi mon ami, quand on va tenir tes pavanes sur Facebook, quand on a des emails, baby, faut la faire aya, abusa que bal le bunchina. Tu n'aimes pas? Tu crois que nous on a du respect pour les gens comme toi? Les gens que les propriétaires sont dans la tombe aujourd'hui pour l'argent que tu es en train de jouir. Tu veux qu'on parle de toi, ma sœur? Tu veux qu'on te refait ton dessin sur Facebook? Tu veux qu'on te donne ton schéma? Tu veux qu'on te dise qui tu es? Tu veux qu'on décrive
méticuleusement l'argent que tu manges, de 5 francs jusqu'au million, tu veux qu'on te décrive ça, le nombre de sang de personnes qui sont versées sur cet argent-là. Tu veux qu'on vienne te rappeler ça sur Facebook, fais gaffe. Parce que si on ne parle pas, on n'a pas peur de vous, on peut parler. Hein? Parce que les gens vous ont parlé depuis des années, mais les gens ne vous ont pas parlé ça en français facile. Moi, si je veux te parler, je vais te parler en français facile. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Vous n'êtes pas la diaspora positive. Vous êtes la poubelle, vous êtes la racaille. Vous avez compris? C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes jamais la diaspora positive. La diaspora positive est là. Et le gouvernement connaît qui est la diaspora positive. Tu as compris? La diaspora positive est là. Le président Paul Biya ne dit pas qu'allez voler, allez tuer les gens pour ramener. Il dit allez vous former et revenez développer le Cameroun. Voilà le message. Allez vous former, revenez développer le Cameroun. Il ne dit pas allez voler pour venir construire au Cameroun. Et vous pavanez sur Facebook à montrer les habits des Camille Briand. Vous avez compris avec quoi? Vous voulez détourner le message qui est vilipendé depuis. On dit qu'allez vous former et revenez développer le Cameroun. Voilà le message qu'on vous passe. On vous montre la lune, vous regardez la main. On vous dit quoi? Allez vous former et revenez développer le Cameroun. Venez montrer votre talent au Cameroun. Même si vous allez venir, on va dire que ça ne donne pas au Cameroun. Au moins, vous aurez rempli votre part de contrat avant de dire que oui. Si moi-même, j'étais rentré, que j'avais, je ne sais pas, une bonne formation, que je peux aussi former quelque chose, je pouvais attaquer le gouvernement. Il dit que non, je suis allé, je me suis formé, je suis revenu. Voilà ce que je sais faire. Je veux m'intégrer. Je les attaque sur cette base. Mais je ne peux pas les attaquer sur cette base parce que je n'ai pas une formation qui peut dire que je peux impacter la jeunesse. Mais ce que je peux impacter, c'est faire quoi? Il y a les occasions de loterie comme ça. Je dis que les jeunes venaient jouer. Il y a par exemple le projet de que je dis que les universités camerounaises peuvent fusionner avec les universités américaines pour apprendre d'autres choses, pour voir comment ils peuvent avoir d'autres opportunités. Voilà ce que je peux faire à mon niveau. Voilà ce que je peux faire à mon niveau. Je peux les donner les conseils, que voilà comment mon parcours, voilà comment j'ai fait comme ça. Je peux donner les conseils à des jeunes couples, que moi-même, voilà comment j'avais commencé à mon mari. Mon mari, moi, l'autre jour, on était ici, là. On avait certains couples qui nous ont connus toujours. Nous, on dormait sur le matelas au sol. On était dans une chambre qui n'avait pas de toilette. On chiait dans les soins, on partait vers ça en brousse. Mon mari, c'est moi. Je peux m'asseoir aujourd'hui, je conseille les Camerounais. Je peux m'asseoir aujourd'hui, j'impacte mes jeunes sœurs, je leur parle. Que tu aimes ton gars, planifiez, organisez-vous ensemble. Vous avez 5, 25, mangez 10 francs, gardez 15 francs. Ayez des projets. Chaque année, vous devez faire un bilan. Si le bilan est négatif, ça veut dire que l'année est tombée dans l'eau. Rassurez-vous que chaque année, quel que soit lambda, que tu aies réalisé quelque chose, ayez l'esprit de détermination. Ayez l'esprit de créativité. Battez-vous pour atteindre vos objectifs, mais pas en faisant le mal aux autres. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tu sors la tête de l'eau, c'est pour un temps. Tôt ou tard, tu payeras. Parce que tu ne peux pas dire que tu as appris quelque chose à quelqu'un pendant que la personne a pleuré. Tu jouis avec ça quelque part. Le Dieu qui est au ciel là, il y a ce qu'on appelle le karma. Il y a ce qu'on, moi, je peux jouir de mes... Quand je reste ici, là, je me couche, je dors, je n'ai pas peur parce que je sais que je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Je sais qu'il n'y a pas les 5 francs de quelqu'un ici. Là, je n'ai pas volé. Mon mari et moi, on a travaillé pierre sur pierre. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose que tu as volé aux gens. Tu es fier de dire que tu as réussi dans ta fémania. Tu as réussi dans ta fémania, mais ça a ôté la vie à combien de personnes? Viens nous dire sur Facebook. Combien de personnes, ta richesse que tu as eue aujourd'hui, il y a combien de personnes dans les cimetières enterrées et laissées les enfants, les orphelins, les femmes, les veuves, les mamans sans enfants, parce que tu es parti frapper. Il n'a pas pu supporter la perte de son argent. Son cœur a lâché, il est tombé. Il y a les orphelins dehors qui misèrent pendant que tu jouis de l'argent. On va refaire vos portraits sur Facebook. On va dire...
aux Camerounais que vous êtes. On attend la plainte là pour voir là où ça va aller. On va parler de vous ici là, au Cameroun, au gouvernement camerounais, que les gens que vous déroulez les tapis là, voilà le travail qu'ils ont fait, pour venir vous faire le bling-bling qu'ils font là. On va dire ça, on va taper le dicalo sur vous. On va taper le dicalo sur vous, parce que vous n'êtes pas des saints. On ne s'attaque pas à ceux qui sont saints. Vous n'êtes jamais des saints. Il y a plein de gens qui font les vidéos sur YouTube, ils sont dans les couloirs. Ils font les sensibilisations de pauvres personnes. Mais vous faites du mal aux gens dans le noir. Dans la journée, vous portez les habits des Cambibria pour venir amuser la galerie, pour venir impressionner les Camerounais, les vrais Camerounais comme nous. Vous pouvez nous impressionner. Hein? Moi, je suis d'une famille très pauvre. Très pauvre. Ma maman est là. On a fait comme ça. Quand il pleuvait, l'inondation traversait que par la fenêtre pour entrer dans notre maison. On a vécu la misère. J'ai touché la misère dans mon enfant. Quand on rentrait de l'école, on n'était même pas sûr d'avoir le tata avec le sucre. Ma maman est là. Maman a brisé le poisson pendant 40 ans pour pouvoir nous élever. On était les plus pauvres du quartier. J'ai plein de mamans ici sur Facebook qui nous connaissent. Que quand elle me voit aujourd'hui comme ça avec ma maman, elle coule les larmes. Il y a plein de mamans là sur Facebook qui nous connaissent. Quand elle m'appelle, elle me dit que ma fille, Dieu, le Dieu du miracle, ma fille, je suis fière de toi. Ma fille, ma fille, ma fille. Vous avez compris? On a touché la misère du doigt. Vous croyez qu'aujourd'hui que Dieu m'a fait grâce? Je vais venir impressionner les gens sur Facebook, dire que pendant que les autres ont faim, je vais montrer que la vie est belle, la vie est rose. Non, la vie est comme ça. Je viens impressionner les gens. Pendant que les gens sont en train de réfléchir, qu'ils vont faire comment pour survivre, tu viens sur Facebook faire le bling-bling. Les Camerounais ont les vrais problèmes. Ils ont les vrais problèmes. Les Camerounais n'ont pas les problèmes de bling-bling. Si tu veux, si tu as volé et que tu vois que tu peux aider les Camerounais, viens impacter leur vie positivement. C'est ce qu'on te demande. Hein? Tu as compris? Aujourd'hui, là, je ne rêve plus. Moi, je dis que je serai milliardaire. Je ne rêve pas. Je rêve aujourd'hui que Dieu m'accorde la vie avec mon mari, qu'on peut manger notre riz sauté tous les jours. Je suis sur Facebook en train de vous parler. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas le riz sauté que j'ai mangé? Entre la réalité et le virtuel, il y a un grand fossé. Ne vous laissez pas berner par cette bande de racailles-là qui vont venir vendre le rêve sur Facebook. Les gens qui mettent les tonnes de make-up, ils viennent, ils ne peuvent pas faire Facebook sans filtre. Et quand, par erreur, quand moi viens, brusquement comme ça, là, on les voit sortir en train de crier, ils n'ont pas eu le temps de mettre ils n'ont pas eu le temps de mettre le filtre. Et quand on voit sur le Mami Pima, vraiment de Dieu. Hey! Quand on les voit en vrai sur le Mami Pima, parce que quand le scandale arrive, tu n'as pas le temps de dire que c'est quel filtre qu'elle veut mettre. Parce que le filtre, c'est le temps. Il faut choisir le filtre que tu vas mettre. Quand la mort arrive, tu n'as plus le temps de dire que c'est quel filtre. Tu lances seulement pour sauver ta tête. Et quand tu lances pour sauver ta tête, maman, les premiers gens qui tombent sur ça, sur le Mami, chacun fait comme ça. Chacun bascule en arrière. Anéa, c'est quoi ça? Djebenjina. Hein? Chacun bascule. Djebenjina, ça c'est quoi encore? Parce qu'on est habitué à voir le filtre. Arrêtez de faire peur aux gens sur Facebook. Les gens qui sont les caméléons là. Qu'un jour on vous voit comme les blanches. Le lendemain là, vous n'avez pas eu le temps de mettre le filtre. Vous voulez effrayer les gens sur Facebook là. Arrêtez ça. Arrêtez de nous faire ça. Arrêtez ça. Arrêtez de nous faire ça, vous exagérez. Arrêtez de nous faire ça. Vraiment, vous allez nous rendre aveugles sur Facebook. Arrêtez. Un jour, vous allez les métis. Du jour au lendemain, comme ça, là, vous venez effrayer les gens à Facebook, comment? Arrêtez de nous faire ça. Arrêtez de nous faire ça, je vous en prie. Arrêtez de vendre le rêve aux Camerounais. Conneries comme ça là. Venez parler. Maman, n'ayez pas honte de dire que vous sortez des.
Que vous sortez des familles pauvres, n'ayez pas honte, mes gens. Il n'y a pas de honte à ça. Tu peux naître pauvre, mais tu n'es pas obligé de mourir pauvre. Tu te bats. Se battre ne veut pas dire que tu peux faire du mal aux gens pour prendre par force. Non. Travaillez doucement, 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 et demandez la grâce et la faveur de Dieu. Vous avez vos partenaires, battez-vous ensemble. Battez, ce n'est pas tout le monde qui est obligé qui est appelé à marier Bill Gates. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à marier Donald Trump. Tu trouves ton petit yogos là, vous faites votre petite vie ensemble doucement, vous économisez. Arrêtez de vous pavaner dans les soirées. Les soirées là ne vous aident pas. Arrêtez d'aller dire que vous partez louer les tables, les 1000 dollars. Voilà les liquides qui ont passé leur temps à se pavaner dans les soirées, à dire que c'est moi, la jet set, c'est moi. C'est moi. Maintenant, à la tombée de la nuit, regardez. Regardez les gens comme les Borosangi. Vous-même, regardez. À l'âge-ci, comme ça, là, elles vont encore faire quoi? À l'âge-ci. Elles vont encore faire quoi? La vie est devenue dure. Le moment qu'elle pouvait dire qu'elle se bat pour investir, elle n'a rien. Aujourd'hui, c'est dur. Même en Ben, chacun travaille pour payer les factures, le peu pour manger et aider la famille. Il n'y a plus moyen d'économiser pour faire quelque chose. Si de nos jours, tu n'as pas pu faire, ce n'est plus facile. Les choses sont devenues tellement difficiles. Ce n'est plus facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est plus facile que c'est impossible. Il faut économiser, faire les tontines. Faire les tontines. Nous, les Bamileke, c'est les tontines. Moi, j'ai bouffé les tontines des millions. Faire les tontines. Faire les tontines. Vous croyez que je viens au Cameroun comme ça pour dire que je vais tuer les gens pour avoir le million? Non. Je viens, je lance mes petits business. Si ça me donne seulement 10 000 francs tous les jours, moi, ça, je n'ai plus les longs yeux. J'ai encore les longs yeux. Je cherche encore quoi dans ma vie? Je me suis battue. Mes enfants sont là-bas aux États-Unis. Si j'ai mes petits 10 000 ici, là, que je peux me lancer un business. Si je n'ai que mes petits 10 000 de business. Moi, je n'ai pas les longs yeux. Comme vous voyez ici chez moi, je peux faire ici, là, un an. Je n'arrive pas là-bas au goudron, sauf s'il y a une urgence. J'aime me mettre à l'aise chez moi pour ne pas avoir à sortir. Et j'ai un mari qui coopère. Quand il dit que papa, pardon, comme tu sors en rentrant, achète-moi telle chose. Il achète en rentrant. Il veut parler au marché, il dit que ouais, pardon, pas avec notre petite fille. Il part, il garde la voiture. Il part avec, il faut le marché, il revient. C'est quelqu'un qui, il aime me faire plaisir. Il n'est pas le style de mari exigeant que si je ne fais pas, non. Il rentre, mais même si c'est que les habits sont sales, quoi, il ne me met pas la pression. Il sait que quand je vais sentir mon corps, je vais laver. Il ne me met pas la pression. Il rentre, même il trouve que je n'ai même pas dressé au lit. Tu ne peux pas entendre mon mari, il va commencer à dire, hé, ma chère. Non. Non. Il sait qu'on a beaucoup travaillé. Si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Il sait ça. Il connaît là où on sort. Il me laisse. Lui-même, s'il rentre, je n'ai pas dressé, tu vas le trouver là, il est en train de dresser, il ne se plaint pas. Parce qu'il connaît que si c'est le dynamisme, le travail, il sait qu'il a fait à une femme. Maman? Bonbon? Attends. Non, maman, c'est là-bas dedans. Tu n'as pas ça avec toi? Non, attends, non, je prends. Mais ton ami, ça... Attends, maman, je viens avec. Attends, je viens avec. Ouais, c'est qui a pris ma tête comme ça? Matin, peut-être c'est un de tes shows qui t'appelait. Hein, matin, c'est un de tes shows qui t'appelle. Oui. On a chargé depuis le matin, non, maman? Est-ce que tu as ton téléphone depuis le matin? Tu as oublié? Ah, fin comme je, non? Quand tu vas me rendre, vous voyez? Nga mbovu ebe fini nemfa nkem jo fai ma charge awa kisin de kromati wala sha munja mamba munja yo shogo nsha mamba ka ata yo sho a kede a o mende na en gra mesede te show
Ouais, mais Jean. Ah, vous avez vu, non? Il y a un qui dit que Dorcas, Dorcas. Attendez. Je vous montre. Je tourne la caméra. Je vous montre un peu mon sol. Comment j'ai designé mes carreaux. Vous allez me dire si c'est beau. Beaucoup de gens ne peuvent pas vous montrer ma maison. Beaucoup de gens disent que non, Dorcas, montre ta maison, montre ta maison. Je ne peux pas montrer. Il y a trop les aînés sur Facebook. Attendez, je vous montre. Je vais tourner la caméra. Bram, qui t'appelle? Ah. C'est comment, mes gens? C'est comment, même? Vous avez vu mes canapés, non, mes gens? Vous avez vu? Vous avez vu, mes gens? Hein? Vous avez vu mon salon, non? Un jour, je vais vous montrer, laissez. Laissez, mes gens, un jour. Un jour, je vais vous montrer. Vous avez toujours dit que Madocas montre, Madocas montre. Laissez, un jour, je vais vous montrer. Vous avez vu mon salon? Là, c'est mon salon principal. Hein? Vous avez vu, non? Vous avez vu, vous n'avez pas vu? C'est ma fille qui m'appelle comme ça. Mais Jean, je vous aime, non? On va se séparer. Je vais vous appeler demain. Vous avez compris? Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, hein? Bisous, bisous, bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bye bye, bye bye. Bye bye. La connexion coûte cher au pays. Très cher, maman Dorcas, je t'aime, Kakadé. Merci, je t'aime aussi, Lucelle. On comprend rien. En français, s'il vous plaît. Qui te peut, maman Dorcas? Ouais, c'est beau, ma soeur. C'est beau, très beau. C'est beau, félicitations. Merci à vous. Merci, merci, merci. Merci. Un jour, j'aurai l'occasion de laisser. Je vais vous montrer. Mon mari a dit que toutes mes histoires de Facebook, là, je dois éviter ces choses et ses enfants et lui-même dans ça. Il n'aime pas les choses de Facebook. Merci, Rachel Ngo, on l'a. Oh, ma grande soeur Sengo, on l'a. C'était un ami de mon père. Donc, il a mis ma grande soeur sur son ami. Vous avez vu que le tribalisme ne peut pas prôner au Cameroun. Vous voyez que quelqu'un aime son ami jusqu'à... Il accouche l'enfant, il met sur son ami. Ma grande soeur, c'est on l'a. Pourtant, mon père est bamléqué, maman est bamléqué. Donc, on ne peut pas. Mané, je vais t'appeler, oh, mamie, ton pardon, Macha. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Hein, Macha, je vais t'appeler, maman. Vous avez vu, non? Ma grande soeur, c'est on là. C'est ça. Ok. Je vous aime bien. Ma première fille m'appelle, il faut que j'aille causer avec elle. Elle ne m'appelle pas souvent. Quand elle m'appelle comme ça, peut-être il y a quelque chose. Peut-être elle va me faire un japon. Donc, c'est ça. Bisous là-bas. Je vous aime. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Dorcas. On veut t'inviter, Dorcas. Je veux venir à la maison ou alors tu viens à la maison. Je viendrai. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, je suis très prise encore. J'ai les gens à la maison pour le moment. J'ai ma maman à la maison. J'ai ma belle-mère. Elle s'est déplacée, mais elle va revenir probablement aujourd'hui ou demain matin. J'ai mon autre maman qui arrive encore. Donc, j'aurai au moins à la maison 4 mamans à prendre en charge. Donc, pour le moment, quand je vais me reposer, non, je vais vous rencontrer, il n'y a pas de problème. On va s'asseoir, on va prendre les pots ensemble, on va bavarder. Ça va être très beau. On va avoir du temps ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que je suis mine, non. Je suis très humble, je suis très friendly. Donc, j'ai juste besoin d'un peu de temps.
Et puis la maman, il faut que je l'amène chez ses soeurs, par-ci, par-là, de temps en temps, je dois l'amener chez ses soeurs, machin, machin. Elle me dit que je l'amène ici, beaucoup, beaucoup. Elle a une de ses soeurs qui la manque comme ça. Elle dit que, ouais, si sa soeur était vivante encore, c'est que vraiment, quand elle était à Yaoundé, c'est chez sa soeur là qu'elle aimait être. C'est que sa soeur est déjà venue sur au moins 4 fois la regarder. Donc, elle pleure beaucoup, sa soeur. Elle pleure beaucoup, sa soeur. Sa soeur a été son amie. Elle était très proche d'elle. Elle m'a raconté une histoire ici, comment sa soeur était venue une fois ici. Là, un serpent est sorti, le serpent voulait les mordre. Ils ont couru ici jusqu'à l'époque, sa soeur. Sa soeur, là, c'est... Elle pleure, sa soeur, tous les jours. Surtout quand elle vient à Yaoundé comme ça, là. Elle pense à sa soeur. Elle dit que où la maison est comment où. Où elle va partir là-bas, il y a encore qui, elle pleure tous les jours, elle pleure sa soeur. Elle était très proche. Sa soeur a été comme, je peux dire que quoi. C'est sa nièce, mais elle était comme sa petite soeur. Vous savez qu'il y a les nièces que vous avez presque, vous êtes un peu presque les mêmes choses là, que vous avez grandi ensemble et tout et tout. Et c'est ma tante de Baranté là, quand elle est partie en mariage, c'est ma tante avait pris ma maman là comme sa fille. Donc quand ma tante l'a accouché, ses premiers enfants là, c'est ma maman aussi qui a baissé. Donc elles étaient comme les grandes soeurs et petites soeurs. Elle pleure sa soeur là tous les jours. Maman Jacobine, elle lui pleure tous les jours. Tous les jours, je la console seulement, je la console, mais elle dit que si elle était venue à Yaoundé, comme elle est venue là maintenant, c'est que je pars la laisser chez sa soeur. Elle fait même une semaine, même 2 semaines. Après, quand elle est fatiguée, je pars la chercher, je la ramène encore ici là. Vraiment, c'était sa soeur là. Sa soeur a été. Elle est triste, quoi, elle est triste. Elle est triste, très triste. Vous savez que dans la famille, chaque maman a sa personne. Elle est très triste pour sa soeur. Parfois, à l'époque, là, quand elle venait comme ça, elle ramasse mes enfants ici, là. Elle va aller chez sa soeur, là, rester avec elle. Elle avait mes enfants là-bas. Mes enfants restaient là-bas. Pas. Quand elle venait ici, si elle venait même pour une semaine, elle va venir ramasser mes enfants. Elle n'est pas restée là-bas chez sa soeur, là, avec mes enfants. Donc, quand je l'énervais, même c'est chez sa soeur là qu'elle partait donner tout mon japon. Elle partait, ma mère et sa soeur là, maman. Sa soeur est morte comme ça là, tout mon A1 dans son ventre. Quand ma mère avait 1, 2, 3, chez elle qu'elle va aller verser tout mon japon. Si elle n'est pas, elle appelle au téléphone. Elle va dire, oh, Dorcaso, ils vont faire mon japon, mais 1 heure de temps, 2 heures de temps. Sa soeur aussi va m'appeler. Elle va bavarder dans mes oreilles. Elle bavarde, elle dit que oui, maman, j'ai compris. Oui, Zayaka, j'ai compris. Elle dit que Mawa, elle va parler. Je dis que oui, j'ai compris. Donc aujourd'hui, là, même si elle est mon clash, elle va encore dire que c'était sa soeur là à qui elle pouvait appeler pour parler. Donc, c'est ça la vie. Yeah. Bon, je vous aime. Bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Bisous. Bye. Bye.